En ce moment difficile, vous avez besoin de quelqu'un qui dira, chérie, nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Pas quelqu'un qui, quand les choses deviennent difficiles, se taille. Attention. Alors, parlons d'amour. Vous aimez ça? Quand on dit parlons de tirailleurs sénégalais, il n'y a personne qui vient. Mais quand on dit parlons d'amour, chacun vient prendre sa tranche. Alors, c'est comment? Aujourd'hui, je suis parti faire un tour, question de me changer les idées, me relaxer un peu. Je suis allé marcher, et vous savez, m'alléger l'esprit. J'ai rencontré un pays que j'apprécie, bel homme, courageux, travailleur, mais en difficulté. Le petit a épousé une très jolie fille, en tout cas très jolie. Cette fille-là, avec Beyoncé, elles peuvent lutter. Mais après lui avoir donné de l'argent, vous savez, pour préparer ce moment très difficile que tout le monde traverse, le peu d'argent qu'on gagne, on essaie d'en faire le maximum possible, essayer d'acheter à manger, des réserves, essayer de s'équiper quoi, pour les choses les plus nécessaires, l'essentiel. Parce qu'on ne sait pas, quand est-ce que, voilà, on reprendra à la normale, on ne sait pas, on essaie de spéculer, mais bon, personne ne sait réellement. Le petit me dit, la fille a pris l'argent, elle est partie acheter des bijoux. Après qu'il lui ait demandé, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'ai donné? À peu près 1 500 $ ou un peu plus, je crois. Elle dit, je suis allé acheter des bijoux. Bah, les bijoux étaient moins chers. Hein. Écoute, les bijoux coûtent moins cher maintenant. C'est pas le prix habituel. Je suis parti acheter des bijoux. Le petit était en pleurs. C'est bien triste. Quel contraste. Quand tu vois la fille, elle a cette élégance hors norme. Moi, je n'ai pas honte de vanter les gens qui ont des qualités saillantes, des particularités qui sont là. Il faut savoir dire, bon, je trouve cette personne particulièrement sage. Et cette femme, c'est une fille élégante, qui a beaucoup de charme, qui s'exprime très bien. Elle est gentille aussi, elle est bien. Mais, quelle tristesse. C'est dur. Vous savez, si elle avait même acheté de l'or, hein, si tu achètes même des bijoux en or, on peut comprendre. J'ai acheté des bijoux en or, voilà, c'est moins cher. Parce que de toute façon, l'or ne perd jamais sa valeur. Quand on achète de l'or, peu importe le temps, si ça coûtait 1 000 $, tu peux revendre cet or après 5 ans, 6 ans. Il y a de fortes chances que tu retrouves tes 1 000 $. L'or garde sa valeur. Mais des bijoux en pacotille, clairement des choses sans importance. Quand tu dépenses autant d'argent, venant d'un jeune homme qui se bat très dur, en ce moment difficile pour tout le monde, pour essayer de joindre les débouts. Quel genre de situation voulez-vous pour votre vie? Vous savez, dans la vie, on n'épouse pas n'importe qui. On n'épouse pas n'importe qui. On peut sortir avec n'importe qui. Je le rappelle. Je n'aime pas trop discuter ce genre de sujet. Parce que voilà, beaucoup de gens peuvent vous aider. Mais je pense qu'à un moment donné, il est nécessaire peut-être de toucher une fois tous les 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'aide. Beaucoup de femmes aussi d'ailleurs. Ce n'est pas tout le monde qu'on épouse. On peut sortir avec n'importe qui. Pour différentes raisons. Quand on épouse quelqu'un, on le fait stratégiquement, pour des raisons bien précises. En plus de l'amour, évidemment. Quelqu'un me disait, comment on choisit son épouse? Imaginez ce moment difficile, imaginez-vous seulement, hein, ce moment difficile que nous traversons nous tous. Imaginez-vous, on n'a plus accès à l'argent. Ça devient compliqué, on ne peut plus avoir de l'argent. Vous allez à la banque vous refuse votre propre argent. Les choses changent, le prix de tout monte, grimpe. Nous nous retrouvons dans des conditions très compliquées. Quel genre de femme voudriez-vous être avec en ce moment-là? Imaginez seulement ce que nous sommes en train de traverser maintenant. Avec quel genre de femme voudriez-vous être? Là, je parle d'abord des femmes. Vous voulez une femme courageuse, n'est-ce pas? Voilà. Une femme qui ne va pas pleurnicher, oh non, mes ongles, tout ça, n'est-ce pas? Une femme capable de manger ce qu'il y a à manger, n'est-ce pas? Pas une femme qui réclame, non, moi je veux du camembert. Ou, je sais pas, des crevettes, n'est-ce pas? Vous voulez une femme capable de marcher des kilomètres avec vous? Dormir quand on peut, marcher quand on peut, n'est-ce pas? Bah, imaginez-vous un apocalypse zombie, tout ça, comme dans les films. Quand tout est par terre, rien ne marche, c'est la pagaille. Vous faites quoi? Avec une Beyoncé, qui ne sait que chanter. Je ne parle même pas de la vraie Beyoncé. Vous faites quoi avec une fille? Une fille qui n'est qu'intéressée par la beauté, les angles, les choses sans importance. Oui, il vous faut une personne qui puisse réfléchir avec vous. Une personne capable de vous dire, chérie, les choses sont compliquées. Mais j'ai vu, on puise de l'eau là-bas. C'est à la montagne. C'est à 8 km. Mais moi, je veux y aller le temps que toi, tu partes chercher des maniocs. Ce côté-ci. On se retrouve le soir.
sous l'arbre perché là-bas de Goyave. C'est ça une femme. Écoutez, on n'épouse pas n'importe qui. On n'épouse pas les gens par reconnaissance. Je peux comprendre dans des cas très compliqués. Mais seulement comme ça, ce n'est pas... C'est ta vie que tu hypothèques. C'est avec ta propre vie que tu es en train de jouer au loto. Un partenaire de vie n'est pas une copine ou une petite amie. Un partenaire de vie, c'est quelqu'un prêt à combattre à tes côtés. C'est un partenaire de guerre. C'est quelqu'un qui te comprend. C'est quelqu'un qui te complète. C'est quelqu'un qui a des éléments que toi, tu n'as pas. C'est quelqu'un qui connaît certains éléments que toi, tu ne connais pas. On n'épouse pas quelqu'un qu'on dépasse tout. Je sais que le français n'est pas bien formulé. On n'épouse pas quelqu'un qui n'a rien à nous apprendre, rien à nous apporter. On épouse quelqu'un qui connaît certains éléments qu'on ne connaît pas. Ou qui a certaines capacités que nous n'avons pas. Qui a peut-être un courage particulier. Qui a peut-être de la tolérance plus accentuée que la nôtre. Même pour les femmes. Il faut être stratégique dans la vie. Vous qui aimez les belles hommes. Ah, il est beau, tu l'as vu. Mon Dieu, il parle bien. Tu vois, manger, il parle bien. Là, dans le confinement, là, il faut manger, il parle bien maintenant. Hein? Et on n'est pas en train de vous dire qu'il faut épouser une personne qui a de l'argent, qui est nécessairement libre financièrement. Vous avez besoin d'une personne qui sait réfléchir, une personne qui puisse trouver des solutions aux difficultés auxquelles vous êtes confronté. Vous êtes là en train de vous battre pour voir comment est-ce que vous allez survivre. Elle est là en train d'acheter des bijoux, ou lui est en train d'acheter des cigarettes, ou pour acheter du champagne. Vous allez aller où? La vie, c'est comme construire un château ou un building. Et pour construire un building, on a besoin des maçons, des charpentiers, des électriciens et tout le bazar. Maintenant, réfléchissez. Si votre objectif de vie était de construire votre vie, qui est le building de votre vie, et que vous n'aviez que deux personnes avec qui construire votre vie, quelle est la personne que vous choisiriez pour remplir cette tâche? D'abord, pour les femmes, il faut comprendre une chose. On n'épouse pas quelqu'un nécessairement parce qu'il a de l'argent. Parce que vous savez quoi, l'argent vient et part. Hein? Personne n'est né avec l'argent. Hein? Bon, c'est vrai, il y a des gens qui sont nés dans des familles riches, mais ce n'est pas leur argent. Voilà pourquoi vous verrez des gens, voilà, papa avait de l'argent, papa est mort, il a hérité l'argent de papa, mais 3-4 ans plus tard, parce qu'il n'a pas appris comment ça fonctionne, il tombe en faillite. Vous faites quoi après? Vous le quittez? Vous cherchez quelqu'un de meilleur? Voilà, ça ne marche pas. On cherche quelqu'un qui a du potentiel et la discipline. Du potentiel et la discipline, pas seulement le potentiel. Parce qu'une personne qui n'a que le potentiel, évidemment, quand vous prêchez à cette personne, vous le montrez la direction qu'il faut entreprendre, vous l'aidez à se lever, à partir du moment où il sera levé, il sera aussi parti. Mais une personne qui a du potentiel en plus de la discipline est une personne qui n'oublie pas d'où il vient. On cherche quelqu'un qui a du potentiel, qui a une idée, mais qui n'a peut-être pas les éléments, qui n'a peut-être pas les outils nécessaires pour construire son idée. Et vous venez compléter cette personne. Malheureusement, beaucoup de filles aujourd'hui sacrifient tout pour le confort. On ne cherche que quelqu'un qui a déjà réussi sa vie. Ah, il a des entreprises, il a des voitures. C'est facile, n'est-ce pas? Mais quand il perd ça, vous faites quoi? Si la banque bloque son argent ici, on dit bon, que l'argent ne sort pas, parce que nous sommes en train de traverser un moment compliqué. Vous faites quoi? Avez-vous entendu parler de la crise financière de 1920? Parce que le vivant ici n'est pas nouveau. Hein? Il ne faut pas seulement prier, mais il faut s'apprêter. Parce que les choses peuvent vraiment se bouleverser. Ici, on va être choqué. Il n'y aura pas d'argent. Vous allez à la banque, on vous dit, ok, désolé, il n'y a pas d'argent. Tout le monde panique tellement que tout le monde va à la banque pour récupérer son argent au point où on ne peut plus donner de l'argent à qui que ce soit. Et ça devient compliqué. Vous ne saviez pas. Mes frères et sœurs, allez sur YouTube. Regardez la The Great Depression, la Grande Dépression. Dans les années 20, 10 ans de dépression, il n'y avait pas de nourriture, pas de pain, pas de lait, rien. Vous pensez que ce que nous traversons ici maintenant, c'est quoi? Dans des moments difficiles, vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous pouvez travailler ensemble. Une personne qui comprenne vos défaillances. Pas seulement comprenne vos défaillances, mais une personne capable de pallier aux trous que vous avez, de colmater ces fissures que vous avez. Vous allez chercher une personne qui ressemble à Beyoncé. Ah, c'est ma meuf. Ah. La vie ne se limite pas seulement sur ça. Une femme a la capacité de vous élever de nulle part et de vous placer haut. Une femme peut vous aider à vous collecter, à vous pousser à aller de l'avant. Une mauvaise est capable de vous faire tomber du haut de l'Himalaya jusqu'au sol. Un homme est aussi capable de vous aider à vous épanouir, à vivre la plénitude de votre vie, à trouver les vraies raisons pour lesquelles vous existez et à vous encourager dans votre domaine, dans votre direction. Un paresseux aussi capable de vous sucer tout ce que vous avez comme capacité, comme potentiel. Et voir mourir très vite vos aptitudes.
Réfléchissez-y. En ce moment compliqué, imaginez le pire. Si jamais le pire arrivait, si jamais vous vous retrouviez dans des conditions très compliquées, où il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de... Quel genre de personne souhaiteriez-vous passer du temps avec? Quel genre de personne souhaiteriez-vous avoir à vos côtés? Courageuse, une personne qui supporte les douleurs, les difficultés, une personne brave, une personne qui puisse vous donner des recommandations, une personne prête à participer, à se salir les mains à vos côtés. C'est ça. Et un conseil gratuit. Réduisez vos dépenses. Hein? Nous ne savons pas encore où nous allons. Excusez ce truc-là, ça m'embête aussi. Réduisez vos dépenses. Ne dépensez pas votre argent dans les choses sans importance. Ça peut attendre. Vous voulez acheter une table, ça peut attendre. Attendez encore un peu. Vous voulez acheter une télévision plate, la nouvelle, très intéressante, à moins cher. Attendez encore un peu. Patientez. Nous traversons un moment particulièrement difficile. Et personne ne sait ce qui va vraiment se passer. Essayez de retirer une grosse somme d'argent si vous pouvez. Maintenant, là. Une grosse somme d'argent. Les Africaines, il faut investir dans l'homme. Pas tout, hein. Mais beaucoup, malheureusement, vous les entendrez dire. Non, un homme. Si tu investis en un homme, aussitôt qu'il aura de l'argent, il sera parti. Non. Ça, c'est une façon très facile, des excuses très faciles pour ne pas vous investir. Je sais que beaucoup n'aiment pas s'investir dans des hommes qui n'ont rien. On le sait. Oui, certaines l'ont fait, ont été déçus. Ça ne veut pas dire que ça en fait une formule inévitable. C'est faux. Beaucoup des hommes, ne vous le diront peut-être pas, ont été aidés par des femmes envers lesquelles ils sont toujours reconnaissants aujourd'hui. Il ne faut pas nous mentir. Tout le monde aime le plat déjà cuit. Très peu veulent ou sont prêtes à aller chercher les oignons, les céleris, le sel et le reste. Très peu sont prêts à attendre que ça cuise, que ça soit prêt. Elles se disent « Ah non, tu savais même les hommes aujourd'hui, après il va te quitter. » C'est toujours comme ça que vous êtes. Mais vous, vous voulez qu'on vous prenne dans la pauvreté, qu'on vous accepte comme ça. La beauté, l'élégance, le beau parler, c'est comme des épices à une nourriture. C'est comme le sel, le poireau, les céleris et tout le bazar. Vous pouvez manger le sel, mais vous ne vous en resservirez pas. C'est impossible. Mais le poisson sans sel, ça peut passer. Vous pouvez manger du pain sans beurre. Ça peut passer. Le beurre sans pain ne vaut rien. Donc la beauté, c'est le beurre. L'élégance, ne sont que des épices. Vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a pas toutes ces choses-là, mais capable de vous apporter la substance nécessaire pour avancer dans la vie. La vie n'est pas un sprint. C'est un marathon. C'est une longue course. Bob Marley a dit, « Tout le monde te fera pleurer, mais cherche celui ou celle qui en valent la peine. » J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Toujours en communion. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. À bientôt. Au revoir. En ce moment difficile, vous avez besoin de quelqu'un qui dira « Chérie, nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. » Pas quelqu'un qui, quand les choses deviennent difficiles, se taille. Attention, il y a des gens qui sont avec vous, pas parce qu'ils vous aiment nécessairement, mais parce qu'ils aiment la situation autour de vous. En effet, c'est eux-mêmes qu'ils aiment. Mais c'est le reflet de ce qu'ils voient autour de vous, qui les garde autour de vous. Faites attention.